Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager une vidéo que j'ai réalisée pendant mes vacances, une pêche de la perche au Gigmeta. J'ai eu la chance de tomber sur un banc de belles perches et de réaliser une très belle pêche, que ce soit en termes de quantité ou de taille. Donc lors de cette session, j'ai utilisé ce Gigmeta. C'est un Jackice Fender FS414 en 7 grammes coloris bleu sardine de chez Hayabusa. Donc il existe aussi en 5 grammes et en 12 grammes en coloris silver et pink sardine. Pour l'animation, c'est relativement simple. Il suffit de le laisser descendre à la verticale du flotte. Une fois au fond, je récupère l'excédent de bannière et je décolle de 5 à 10 cm. Là, je peux commencer l'animation. C'est une simple dandine. On fait des tirées franches, plus ou moins amples, plus ou moins rapide, avec quelques fois des pauses. Il faut en fait varier les animations pour trouver celle qui sera la plus productive. Une chose très importante avec ce type de leurre, c'est qu'il papillonne à la descente. Pour cela, il ne faut pas le brider lors de cette phase. Donc, on laisse la bannière détendue jusqu'à temps de retrouver la position initiale, c'est-à-dire 5 à 10 cm au-dessus du fond. Pour la même raison, il faut pêcher assez fin. Pour ça, moi j'utilise une tresse Climax en 8 brins de 8 centièmes, un flow carbone Climax de 22 centièmes. Ça permet déjà de sortir de très beaux poissons. Donc pour le reste, je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnage!